troisième mandat. Non, troisième mandat. Non, troisième mandat. Non, troisième mandat. Non, la constitution que nous. Non, on n'a pas fini, hein. On a pas besoin de micro. On va couper le direct. Mais attends, 2 minutes, comment? Non, si on l'a dit. C'est voiture. Non, parce que vous êtes venus nous assister. Ok. Non, c'est pour voiture. Bien, alors. Non, c'est mieux de venir ici, là. Il faut laisser le micro là. Tu peux parler ici à ta voix. Tu peux pas parler dans le micro? Non. Ok. Viens ici à ta voix. Ok, on va laisser le micro. Faut parler devant nous ici. Il fait chaud, on fait vite. On va laisser 2 mois, on n'a pas besoin de. Bon, alors, ma femme, venez, c'est difficile, mais venez. Parce que, voilà. On est au soleil, là, venez. Vas-y, il faut parler pour nous. Kati, venez ici. Vous êtes déjà là. Voilà, vous êtes déjà là, donc venez, on va faire un temps. Venez, on va faire le temps. Mais la gloire formidable, il n'y a pas mis à pas sortir la foulée. Si! Ok, nous avons une stèle en salle pour gagner le temps de l'éloigner. Kaza, tu ne seras pas comme ça? Ils ont été fait le quoi, dès comme tes filles de faire face? Oui. Ok. Disregard what I say. Ok. Bon, alors, chers frères et chers sœurs, qu'il me soit permis de remercier tout le monde. Vraiment, de par ma modeste voix, de par la voix de tous ceux qui ont pris le temps pour organiser cette petite marche, j'aimerais vous dire merci. Merci profondément du fond du cœur parce que c'est un combat dans lequel nous sommes tous engagés. Et c'est par le fait d'être présents sur le terrain que nous allons avoir les résultats escomptés. J'aimerais quand même mentionner quelques noms dans l'équipe qui a pris son temps pour organiser ce sitting. Je pense notamment à Emmanuel, à qui je fais face actuellement. Je pense également à Fernand Kouakou, qui est la secrétaire générale du FPI ici à Atlanta. Je pense également à mon frère Bani, qui est quelque part dans la dernière ici. Je pense aussi à Dominique Conan, à Henri Ambi, qui n'est pas là, à Stéphane, et puis à JB, qui est en déplacement. Vraiment à toute l'équipe qui a pris son temps, son énergie, son trésor pour que nous soyons là aujourd'hui. Soyez tous remerciés. En pareille circonstance, je me dois de m'adresser de façon solennelle à
face à la situation que nous vivons, que notre pays est en train de vivre en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs ivoiriens, chers frères, amis de la Côte d'Ivoire, notre pays abrite un homme politique très étrange aux mœurs des Ivoiriens. Il s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara et il doit partir. Dragon. Après 60 ans d'indépendance, le peuple souverain de la Côte d'Ivoire a plus que dépassé l'âge de la maturité. À y voir de près, sur les 60 ans, le président Oufoué en a pris 33 ans pour gouverner et mettre notre pays sur la carte mondiale. Hélas, il nous a laissé un monsieur, un homme étrange du nom de Alassane Dramane Ouattara. Il doit partir. Sur les 23 années qui restent, le président Bédié en a pris 6 pour cause de coup d'État. Il n'a pas pu finir son mandat. L'histoire nous révélera qu'un étrange homme du nom de Alassane Dramane Ouattara était derrière cet acte ignoble. Il doit partir. Arrive le président Gbagbo qui, malgré ses 10 ans passés à la tête du pays, souffrira des balafres d'une rébellion meurtrière. De par la bouche de ceux-là même qui ont pris les armes, nous savons que derrière ce acte monstrueux, il y a toujours le même homme étrange. Il doit partir. Finalement, ce monsieur étrange décide unilatéralement de faire un troisième mandat après 10 ans passés à la magistrature suprême du pays, déchirant de fait la constitution ivoirienne de façon méprisante. Ce monsieur doit partir. Dégagez. Au total, sur les 27 années après le président Houphouët-Boigny, ce monsieur en a pris 27. Nous constatons avec beaucoup d'amertume que la marche paisible et joyeuse des Ivoiriens vers la construction d'une nation sans barrière ethnique ni politique a été bloquée par un seul homme politique étrange. Il doit dégager. Dégager. Ainsi, pour le non-respect de la Constitution, il doit dégager. Pour une commission électorale aux ordres, il doit dégager. Pour un code électoral injuste et conflictuel, il doit dégager. Pour avoir délibérément divisé les Ivoiriens avec le rattrapage ethnique, il doit dégager. Pour avoir injustement emprisonné des députés et des citoyens dont Mme Gbale Pulcheri, il doit dégager. Pour avoir forcé des Ivoiriens à l'exil, dont le président Gbagbo, il doit partir. Monsieur Guillaume Soro, Monsieur Blaise Goudé, Monsieur Akossi Bandjo, il doit partir. Et vite. Pour avoir refusé de réconcilier les Ivoiriens aux sorties d'une guerre fratricide, il doit partir. Oui, cet homme étrange doit partir. Faire la prison. Frères et sœurs, restons déterminés. La Côte d'Ivoire est un pays beaucoup trop important pour la laisser dans les mains d'un seul individu étrange de surcroît. Œuvrons tous sans relâche pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire prospère où le droit sert de fondement à toute entreprise comme dans toutes les grandes nations. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Amen. Il doit dégager. Dégage. Bien. Alors maintenant, on va passer la parole à notre Fernand, qui est la secrétaire générale du FII ici à Fanta. Après quoi, nous allons passer la parole à son frère Bané, qui est du GPS, qui représente le GPS ici. Et ensuite, nous allons prendre des témoignages individuels. Voilà. Merci, Président. Nous sommes ici assemblés cet après-midi. Nous sommes FPI, nous sommes PDCI, nous sommes COGEP, nous sommes GPS, nous sommes leaders, nous sommes de la société civile. Yes. Nous sommes du nord, du sud, de l'ouest, à l'est et du centre. Fiers Ivoiriens, l'heure a sonné pour libérer ton très cher pays de la France. Écoutez-moi quand je dis de la France.
Parce qu'il s'agit de celle-là. C'est celle-là qui nous fatigue depuis le commencement de nos ancêtres. Le pays nous appelle. L'heure a sonné. Où que nous sommes, soyons déterminés. Plus à jamais, non seulement de dégager la France de la Côte d'Ivoire et de la politique ivoirienne, mais aussi le préfet qu'ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Dramane, il doit partir. Le dragon. Non, au troisième mandat. Non, non, non. Valet, non, au troisième mandat. Non, au troisième mandat. Non, au troisième mandat. Non, au troisième mandat. Il ne doit pas violer notre constitution. Et nous sommes fermes là-dessus. Nous serons dans les rues, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que Dramane dégage. Fiers Ivoiriens, soyons courageux. Amen. Le pays nous appelle. L'heure a sonné. L'heure est arrivée de nous battre jusqu'au bout. Donc je vous remercie pour tous ceux qui sont là. Continuons, restez à l'écoute. Les informations, on va communiquer. Ce n'est pas notre dernière marche. Nous allons encore venir dans différents endroits pour dénoncer la dictature de la France et Dramane. Toi, parti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non à Macron, non à Ouattara. Faut pas l'appeler Dramane, Drame. Drame. C'est un dragon. Voilà. Ok. Dramatique. Voilà. Ok. Donc maintenant nous allons écouter notre frère Gbagné du GPS. Je vous remercie. Merci de votre présence. Permettez-moi de rendre hommage à tous nos frères et sœurs qui ont été blessés et tués lors de la résistance pacifique en Côte d'Ivoire pour contester au troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons le respect de la Constitution qui est notre loi fondamentale. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques depuis 2011 jusqu'à ce jour. Ça fait honte pour arrêter nos femmes, les braves femmes, être emprisonné depuis le 13 du mois dernier. Nous demandons le retour de tous les leaders politiques en exil, selon M. Laurent Gbagbo, Soro Kibafori Guillaume, Charles Blé Goudé et M. Akosi Bendjo et tout autre dans les autres pays étrangers. Merci. À ce mot, je vous remercie pour votre présence. Et que vive la Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse. Amen. Dramane va dégager. Dramane dégage. Dramane dégage. Dramane dégage. Dramane dégage. Dramane dégage. Dramane dégage. Voilà. Ok. Voilà. Dramane. Mes frères, mes sœurs. Dramane out. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour notre seul pays que Dieu nous a donné. En ce jour, je parle au nom de tous les patriotes et de toutes les femmes patriotes. Vraiment, ne baissons pas les bras. Soyons unis. L'heure est grave. Dramane doit partir. Dramane doit quitter le pays. Dramane, 10 ans, c'est trop. On l'a assez nourri. Il n'a qu'à ramasser son bagage. Beaucoup. Il n'a qu'à partir comme ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Que la France aussi dégage. Qu'il prenne sa blanche. S'il veut aller dans le pays des Blancs, il n'a qu'à aller dans le pays des Blancs. Partout il veut aller, sauf la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Amen. Merci beaucoup. Tu veux parler encore? Vous êtes où? Il n'a qu'à partir en train, là, il va prendre tous ses bagages. Voilà. Hein? Voilà, voilà. Merci. Ok. C'est notre enfant, vous le constatez. Il veut parler, le petit ami. Il est temps pour que M. Dramane Ouattara doit quitter le pays. Amen. Parce que nous ne voulons plus de troisième mandat. Nous sommes fatigués, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous voulons tous ensemble qu'il dégage notre pays. Il est temps pour Dramane de partir.
Merci. On est fatigué. Merci, merci. Merci. Il y a un bébé qui veut parler. Oui, oui, non, ça, c'est la célébrité. Hein. C'est notre fils. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis fier. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis fier d'être ici. Je suis fier d'être ivoirien aujourd'hui. En 2010, nous avons pleuré. Nous avons vraiment pleuré. Tous nos parents nous étaient obligés de nous cacher. Parce que c'était trop. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Tout est. Tes dosos que tu envoies pour nous effrayer, on n'a plus peur. Aujourd'hui, là, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas quitter. Voilà. Tu vas signer tes papiers, tu vas quitter. Tu as trop mangé l'argent. Voilà. Tu as trop mangé notre argent. C'est bon. Nous, si on veut manger, on a faim. Ah, pour laisser manger aussi, tiens. On est fatigué de ça. Tel maman, tel fils. Draman, Ouattara, aujourd'hui les Ivoiriens sont tous réunis ici, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à l'ouest. Ils sont tous réunis ici pour te dire non à ton troisième mandat. Il faut dégager, laisse les Ivoiriens tranquilles. Depuis 1990, quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, c'est la guerre. C'est la misère, c'est le désordre qui est sur les Ivoiriens. On est fatigué. On est fatigué. Tu as fait ton temps, il faut dégager. On t'a donné tout ce que tu as demandé. Maintenant que tu es arrivé à ton terme, il faut dégager. Tranquillement. On s'en fout que tu partes en France. Yeah. Raconter tous les diables de la France pour donner de la force à ton le support à tout ce que tu es en train de fabriquer. Pour tuer les Ivoiriens, on s'en fout. Que tu partes en Angleterre, que tu partes en Chine, tout ce que tu vas aller voir, on s'en fout. Quand tu rentres au pays, c'est ton jour qui est arrivé, tu vas dégager. Monsieur Alassane, trop c'est trop. Draman, tu es parti, c'est fini. Faut pas dire monsieur, c'est Draman. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Tu vois ici, toute la Côte d'Ivoire est réunie. Nous voulons notre paix. Tu nous as assez fatigués. Draman s'en va. Nous te disons au revoir. Tu as trop fait pour la Côte d'Ivoire. Tu nous as trop fatigués. Nous voulons notre paix. Nous voulons notre dignité. Tu as emprisonné nos présidents. Tu as emprisonné nos frères. Tout le monde à l'exil. Nos soeurs. La Côte d'Ivoire est humiliée. Nous voulons, il faut partir. Dégage le pays. Nous voulons notre paix. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre en harmonie avec tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Draman, au revoir. Merci beaucoup. Monsieur Tromero. Draman. Monsieur Tromero. Tu es un menteur. Tu dis que tu connais la Constitution plus que tous les autres Ivoiriens. Wabo a regardé dans tes yeux, il a dit, vraiment, tu es un menteur. Effectivement, tu es un menteur. Tu es un menteur, tu connais rien de la Constitution. C'est pourquoi Agbagbo a dit que Draman c'est un menteur. Et on disait à Agbagbo que le mot est fort. Le mot n'est pas fort. Ouattara doit dégager. La Haute Volta a besoin de toi. Retourne dans ton pays, Draman. Un dragon sur la Côte d'Ivoire, on n'en veut pas. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays libre. Et où tout le monde enjoy. Tu dois retourner d'où tu viens. Trop c'est trop. Tu as mangé, tu es rassasié, ton ventre est gros. Même en France hier, je t'ai vu. Donc retourne dans ton pays, mon frère. La Côte d'Ivoire, c'est pas hospitalité, n'est pas hospitalisation. Même quand tu es hospitalisé dans un hôpital, il y a un délai pour que tu quittes l'hôpital. Va chez toi. Trop c'est trop. Draman, retourne chez toi. Trompero, tu trompes les enfants, tu trompes les vieux, tu trompes les moyens.